je suis arrivé au même endroit qu'hier, là, hein, au niveau de la crête des plots d'El Naou, là, et le chemin qui descend sur Arrou, enfin, sur la Vall d'Or. Hein. Toujours la même interrogation, j'ai mon circuit un peu plus bas, là, marqué, et c'est là où j'avais galéré, là, où je m'étais paumé, dans le brouillard et tout, là. Alors, on va essayer de ne pas refaire la même erreur. Et arriver à la Hourcate. Bon, comme je disais précédemment là, c'est là où hier je me suis paumé et je me suis retrouvé en galère. Donc là, par temps clair, parce que hier brouillard, et j'avais plus trouvé ma lucidité là. Là, ben, j'ai trouvé le bon départ. En fait, ma croix rouge elle est là-bas derrière. J'ai pris ce chemin en bas là, qui est carrément infaisable. Qu'à voir les vidéos, minable. Bon, mais là, je pense être parti sur une bonne single, sur le versant là. Bon, là, j'ai passé. En fait, je n'avais pas voulu m'engager ici parce qu'il y avait une portion boueuse là que j'ai dû passer à pied, puis ça patinait là. Un bourbier, mais inimaginable. Donc le départ était pas évident. J'avais pas voulu aller là, j'avais voulu rester sur mon chemin à Croix-Rouge là, mais bah, elle m'en a pris. Donc là j'ai fait les 100 mètres de Bourbier pour après trouver partir sur une piste propre. Allez go! Voilà. Là ça patine encore un peu et puis voilà. Là j'espère que c'est propre. Allez. Ouais, j'ai discuté avec des gens là. Les randonneurs qui, parce que leur chemin il est un peu plus haut là, ils passent plus sur la crête. Moi je fais plutôt le versant. Et je leur disais que je voulais pas prendre le chemin de la crête, moi, parce que j'aurais dû pousser le vélo, porter le vélo. Ouais. Ça, il y avait des trucs là, le départ il était coriace le départ. Hein. Voilà. Voilà, ça va, c'est faisable. Hein. Yeah, man. Bon, ça sèche un peu là au soleil. Allez. Attention parce que c'est un peu. J'ai les pneus qui sont bien bien pleins de boue. Ça patine par moment. C'est bon, ça sèche mais c'est encore humide. Hein. Quand ça grimpe, et ça patine un peu. Allez, oh, et un randonneur. Bon, je vais pas gueuler parce que c'est le chemin des vététistes, ça. Hein. Je vais rien dire, moi. Hein. Bon. Oh. Je vais croiser les randonneurs. Voilà, ça a l'air chaud là. Passage, je crois que là, c'est bien embourbé. Je risque de patiner là, sur le schiste. Surtout dans la boue là. Voilà, on remet sur le sentier. Et on remonte sur le. On regrimpe sur le vélo. Allez, go. Et bonjour. Bonjour. Là, je regarde les fleurs là, les fleurs violettes. Je me demande si c'est pas là. Oh, tu vas où là? Ça va, mon gars. De la réglisse sauvage. Pied de réglisse. Putain, quand j'étais gamin là, ado, dans les Pyrénées là, il y en avait de ça là, de la réglisse sauvage. Et on se la. Les racines de réglisse, hein, les sucer, ça a un goût de réglisse sucré. Bon, c'est un peu plein de terre, mais bon. Je sais pas si le chemin plus bas n'est pas plus praticable. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais? Allez, on va le prendre. Oh, 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 oh. Voilà, pour montrer.
pied de réglisse sauvage. Ah, voilà la fleur. Bon, allez. Marche arrière. Là. Et tu vas sur le chemin du bas. Qui m'a l'air plus praticable. Ouais. Enfin, à première vue. Hein. Voilà, bien sûr, il y avait un passage. Boueux, et là, après ça a l'air mieux. Là il y a de la myrtille là aussi au sol, il y a des plein de myrtilliers. Bon, hey. Tu fais de la botanique toi ou tu bon, ben là de toute façon je suis obligé de descendre du vélo, ça. Au moins d'être mesuré 60 cm passe pas bon. Allez, on va se relancer peut-être, non? Alors, que tu as vu encore une autre fleur ou un autre arbuste. Bon, là c'est chaud. Ouais. Ouais, je sais pas si je peux le faire à pied, moi. Hein, là, c'est chaud, là. Hein. Allez, mode walk. Je me demande comment ils font les vététistes là. Oh bah ils passent à pied. Hein. Pas chier là. Bon j'espère pas être connaître la même galère qu'hier. Ça, ça m'en a tout l'air de partir en couille là en dérapage. Mais bon, à part qu'aujourd'hui j'ai la visibilité. Voilà, ouais. Putain mais. Passe pas moi avec ces putains de broches là. Oh là là. Oh, quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur le vélo là? Bordel. Là peut-être. Allez, on va envisager la chose. Ah, qui est encore. C'est quoi ça, du noisetier? Oh putain. Wouh! Eh, ma roquette dans 6 heures, elle se mérite. Hein. Putain. Bon, le tout, c'est de rester bien sur. Parce qu'il y a 36 000 chemins là. Rester sur le bon chemin là. Hein. J'en suis moi là mon gars. Hein. Ouais. On va couper là. Hein. On verra, on refilmera quand ça sera plus abordable, plus praticable. Hein.